un conseil des ministres et qui a fait matin. Dans le contexte côté gagné en pile scandale, en pile côté c'est pété, hein, fait objet d'un pile attaque critique et en pile scandale. Et on a vraiment ces données pour nous capables d'aborder la question, ça, parce qu'il faut l'aborder, parce que ça nous concerne comme population, mesdames et messieurs. Le Conseil des ministres l'a fait. La fête jeudi, hein, et il va statuer sous et notamment un ensemble de sujets, mais un sujet aussi, c'est la nomination des directeurs généraux. Donc on est déjà nommé ministre, il y a beaucoup nommé secrétaire d'État, s'il y a nommé, il y a beaucoup nommé directeur généraux. Il faut que vous nommez. Il y a beaucoup nommé les ambassadeurs. Il faut que vous nommez. Donc, mesdames et messieurs, et est-ce que vous êtes même là? Moi? Ok. Il y a beaucoup nommé un ensemble de monde. Et, mais normalement, selon la loi, et même avec ministre, les directeurs généraux sont nommés en conseil des ministres. Et là, nous dit Conseil des ministres, il y a une différence entre Conseil des ministres et Conseil gouvernement. Expliquez-nous ça déjà, parce que ici, à la tour, nous avons un rôle pédagogique, nous avons un rôle d'éducation. Et Conseil de gouvernement, il fait seulement avec le Premier ministre, avec le ministre Lio, secrétaire d'État, si gagné. Alors que le Conseil des ministres, il implique la présidence, la donne. Donc, M. Damir Abchita Jodia, sous nomination directeur généreux. Et qui directeur généraux a fait ça. Il y a deux types de directeurs généraux dans le pays. Il y a les directeurs généraux des ministères et il y a les directeurs généraux des organismes autonomes et déconcentrés. Tout directeur, c'est directeur, mais tenez-vous bien, tout directeur, pas même. C'est pas sans raison, ouais. Tout le temps, ça prend avant y arriver, fait nomination directeur généraux. Naturellement, nous connaissons la nomination des directeurs généraux est l'apanage du président de la République. Ok? Donc, c'est pété qui gagne prérogative nomination des directeurs généraux. Mais, dans le cas spécial, ça semblait que Gary Conille, comme chef de gouvernement, monsieur dit, c'est dans le conseil des ministres, il a nommé Mounio, et automatiquement, c'est dans le conseil des ministres, il a nommé, donc lui-même tout, lui impliqué. Donc, il faut qu'il connaisse qui est, qui parle, qui est. Il faut qu'il connaisse profil Mounio, CV Mounio, pour assurer que tout le est passé bien, parce que monsieur dit, il y va de son avenir parce que c'est lui-même qui est chef gouvernement. Donc, si bagay ou échoué, lui-même tout, la poté responsabilité et ceci au premier plan. Et Marabano, c'est une raison qu'il faut bagay tarder comme ça. Et sous question qui a cette prérogative et qui ne l'a pas. Bon, finalement, il semblerait qu'il a avancé vers un compromis. Il peut compromis que rejoindre. Il veut que nous compromis sous les directeurs généraux des ministères. Rien. Et directeurs généraux ministériaux, pour le nommer, et après le jour à même. Ça fait longtemps pour le fait. Et, mais, moi, apprendre même qu'il y a des directeurs généraux dans des ministères que Gary Conille décidé, eh bien, et. C'est le gouvernement qui a nommé. Et que certains ministères même ont même dit
yo quand même qui était ministre choisi pour directeur. Et il y a même débat qui a fait tout un peu plus largement pour que désormais un directeur général au ministère t'a vienne un véritable fonctionnaire et que l'in poste là et que qu'un soit ministre qui va venir et bien lui-même la obligé servir à elle. Qui parle un technicien, c'est pas politique qui a metté. Ça son bagage a regardé puis devant. Mais pour l'instant, jodi a il y a pral nommer directeur. Il va nommer directeur et ceci pratiquement dans tous les ministères. Même du ministère donc 14 ministères, pas 14 ministères. Donc pas 14 directeurs généraux. Et est-ce que il y a Kembe? Est-ce que gagner il y a est-ce qu'il y a prévoir tout? Est-ce que il y a Kembe? Est-ce qu'il y a Kembe tout? Est-ce qu'il y a fait changement dans certains? Est-ce que Gaïkoni il même l'a gagné en forme de pourcentage? On va dire un quota dans nomination. Hein? Est-ce qu'il y a des postes que lui-même il réclamait? Donc, en tout cas, moi, apprendre par exemple, ministère des Affaires étrangères, et je ne crois pas que c'est aucune structure dans le CPTA qui a été. Ok? C'est François Gwin, je ne sais pas. Ministère des Affaires étrangères, je ne crois pas que c'est CPTA qui a été, CPTA qui a été. Donc, là, par exemple, il y a rigueur, j'ai l'impression dans le niveau ça, il y a des côtés, monsieur CPTA, il a lâché. Etc. Donc, journée aujourd'hui, hein, donc, on va faire débat, on va faire discussion, yo, pour capable justement, et approfondir question ça. Mais qui t'aime dit nous, il y a un directeur général, Mon directeur général, non ministère. En tout cas, j'en paye y'a là, j'en connais là. Si ministre l'en voulait, il a ignoré totalement. Dans la quasi-totalité, des ministères, un directeur général, pas un rien, pas aucun pouvoir. Ne besoin d'un ministère, aucun pouvoir. Si ministre en voulait. Et ceci depuis toujours. Depuis des années. Même s'il te vaut au magasin longtemps, mais beaucoup n'y a un qui directeur général. Ouais, mais ça fait pas grand pile nek tout, qu'il goumé pour lui. Goumen gagné pour le directeur et pas même goumen ça gagné pour le directeur qui pourrait aller dans l'affaire sociale. Bon, pendant parler d'affaires sociales là, Erivo, directeur général toujours comme ça. Depuis ce matin, lui, c'est Erivo, directeur général ministère des Affaires sociales. Jusqu'à présent. Même quoi là aller même. Ministère de même quand il est là, axil pas là. OK? Donc c'est ça fonctionnement. Donc actuellement, moi je quoi? Et son monde qui t'a supposé un rôle comme directeur général. Mais, le ministre qui est administrateur, qui est chef cabinet, eh bien, il ne doit pas jamais occuper le directeur général. Pas jamais occuper. Pas oublier, non, moi, dis-nous, c'est pour la grande majorité des ministères, même si vous êtes capable de joindre des rares ministères, côté que, par exemple, le directeur général est important. Vous êtes capable de prendre, par exemple, direction générale, ministère finance. On va pas prendre directeur général, ministère affaires étrangères. On va probablement prendre directeur général, planification. Mais affaires directeur général, conditions féminines, affaires sociales, et ministère commerce, et tourisme, environnement. Ah, et blague, et blague. Ministère va même maison occupée. Et puis, il faut là-dedans, c'est machine là, il y a un chèque là, il y a un frère, il y a le travail. Donc, c'est au bon vouloir du ministre, eh bien, il y a bon importance dans le bureau ça. Parce que toute décision qu'il prend, tout compte maltaïque qu'il a fait, si il y a un compte maltaïque pour faire, l'administrateur pour débloquer comme, c'est deux signatures valables dans le chèque. C'est le ministre là, et avec l'administrateur. Ok? Donc, naturellement, ou c'est directeur général, ou c'est officiel, bon, de l'État. Mais, et ça fait nous, j'aime dire non, pas grand pile, pas grand gros zo, là. Pas grand gros zo, zo yo meg, zo yo pas grand chè, zo yo pas grand mouel. On est négocié, zo yo ap chèche. Donc, pas grand zo. Et t'as la moutée descend. La moutée descend. On est 800, on est descend, sans descend, sans tomber. Nya, donc, pas grand gros zo. Alors que par contre, il y a des directeurs généraux, et direction générale, c'est gros gourmet. C'est gros gourmet.
pour contrôler. Vous prenez APN, par exemple. Vous prenez DGI. Vous prenez la douane. Vous prenez ONA. Vous prenez AAN. Vous prenez FDI. Hein? Vous prenez. Et. Vous prenez Pigou, ça, monsieur, là. Ça, yo, ma balle menti, c'est tout, c'est bon, yet. Ou avait c'était tout. Mais, piba, à moins de mesure. Mais on gros auto. J'en ai eu, il est là. Ok? Donc, là, il y a un jeu, il y a un goumé, il y a une bataille. Et c'est pas sans raison, ouais. Et mesdames et messieurs, il est tardé comme ça. C'est pas sans raison, ouais. Ils n'ont pas qu'à prendre comme ça. Parce que il y a un jeu de taille. Un jeu de taille. Nous songeons que dans le gouvernement, il a formé. Le Premier ministre il était souhaité de dire au conseil de ministère, il parlait et pour que c'est dans un homme politique qui va à l'élection pour y aller. Et, sans qu'on débat comme ça qu'a fait. Donc, au niveau de direction générale, yo. Ok? Et, donc, mais on dit, il répond, il dit non, ça c'est prérogative, c'est pété. Il dit que chaque bourrique brède dans son pâturage, c'est ça il dit. Donc, qui fait que, bah, garantie, Jean, pour qu'on fait une yes, et, puisque chaque conseiller, normalement, t'as doué, et gagner une liste DG par eux, il doué mettre, il voulait mettre, mais gouvernement tout, lui-même tout, dans le cadre de négociation, puisque son arrêté cap signé probablement par ni CPT, ni Premier ministre, là. Donc, normalement, Premier ministre, lui-même, il doit demander un quota. Il doit décider lui-même, il y a deux, trois postes qui intéressent, que t'as même été mon là d'ailleurs. Ça, c'est dans la négociation, c'est dans la discussion avec Monsieur Dable. Donc, situation, c'est ça lié. Et je dis, mais pour l'instant, il y a beaucoup de questions. La direction générale déconcentrée, parce que c'est gros morceau, c'est gros enjeu économique et politique. Donc, notamment pour côté de la douane, côté de la DGI, APN, former de poète. Former de poète. C'est pour vous me faciliter du tout. Gros bataille. Gros bataille. Même qu'on est, il y a une bagaille, il y a travaillé sous lui, et il voulait assurer, et c'est ça tout le monde souhaitait, que c'est de monde compétent pour le job là, vous mettez. Que ce soit gens, vous voulez mettre ton monde en poste, mettez ton monde compétent, mettez ton monde valable. Ok? Par rapport au monde qui sans profil, au monde parce que son ami, hein, parce que son connaissance, son monde va faire plaisir pour mettre. Non. Ok? Faut moun nan gon profil. Faut moun nan gagne capacité pour la faire job là. C'est trop souvent. Eh bien, nous fait ça. Les hommes qu'il faut n'ont pas été à la place qu'il faut. Et par une promotion qu'a fait pour excellence, par une promotion qu'a fait pour compétence. Ou bien, et généralement, ça n'est toujours ouais dans le pays. Hein, c'est à faire zamitaï, clientélisme, népotisme qu'a réglé. Nous souhaitons que c'est pas ça qu'on a fait là. Et non, kassa. C'est moun qui capable, eh bien, mettez le job là. Et puis, pour le capable de faire le résultat, mesdames et messieurs. Donc, jodi a, nous répondons qu'on est par arrêté présidentiel. Qui est-ce? Et cap directeur général, directeur ministériel. Mais moi, pensez. D'ici la semaine prochaine, nous allons commencer qu'on est ça qui a passé pour l'autre directeur général. Mais faut que moi dis, nous avons l'impression, dernier accrochage qui pète, et il passe sans conséquence sur retard qui gagne probablement dans la question directeur général et organisme déconcentré.